voisinage, un homme sorcier dans ton quartier, comme ils savent que ton étoile brille, ils peuvent venir éteindre l'étoile. Comme ils savent que l'enfant, pour entrer dans ta, pour avoir accès à ta maison, il faut utiliser un enfant. Comme la maison n'a pas été consacrée, que les enfants n'ont pas été dédiés à Dieu, ils vont commencer à faire des mystères dans la maison. Donc il faut appeler l'enfant. C'est pour ça qu'il faut que la maison soit consacrée. Il faut que vos enfants soient consacrés. Après, si un enfant est consacré, qu'on lui donne à manger, il rend ça. Si un enfant est consacré, que de lui, on a reçu de lui, sur lui, de la bouche, qu'il mange un aliment sorcier. Vous allez voir que l'enfant commence à chauffer. L'enfant commence à chauffer. Posez la question à l'enfant, qu'est-ce que tu as vu? L'enfant vous explique un truc, c'est en règle. Amen. Vous avez besoin de ça. Nous avons besoin d'être consacrés. Lui-même, sur toi déjà, commence déjà à actualiser ta vie. Ça va commencer à régler beaucoup de choses dans ta vie. Qu'est-ce qui a été fait sur toi? C'est pour ça que la Bible dit ne touchez pas mes points. Qu'est-ce qui a été fait sur toi? Non, mais qu'est-ce qui a été fait? Moi, je n'ai pas peur. Parce que je sais que les choses ont été faites sur nous. Moi, j'ai pris 9 jours pour consacrer ma vie. J'ai dit jamais je vais mourir dans un accident de circulation. Jamais. Amen. Jamais. Jamais. Amen. Jamais. Si le diable fait bac de protection contre accident, c'est Isaïe 54, verset 17 qu'il a pris. Toute âme forgée contre toi sera. Vous pensez que c'est spirituel, âme spirituelle. Toute âme, que ça soit spirituel, que ça soit physique. Si un dozo physique ne rentre pas, ce n'est pas toi physique qui va rentrer. Ou bien? Non, mais si! J'ai dit le jour, j'ai dit ça aux gens, même si l'antenne de la radio, Panama. J'ai dit le jour, on n'a pas dit les gens, visitent les hommes ici. Le jour, quelqu'un va prendre âme sur moi. Il va comprendre que physique rentre pas dans mon corps. Ce n'est pas de l'orgueil. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Chacun de nous vit sa foi. Moi, ma foi me dit, ça va rentrer dans mon corps. Quand tu avais boum, c'est dans ton ventre, ça fait boum. Toi, tu as terre. On est tous emporgés contre moi. Je n'ai rien fait, pas venir voler mon argent. Monsieur, donnez-moi mon argent. Tu connais l'argent, c'est pour qui? Dieu m'entend l'argent, toi, tu as venu prendre ça. Tu es malade ou bien? Monsieur, donnez plus d'appel. Monsieur, prenez, c'est pas pour. Donc, prenez, il y a l'argent là-bas. Il y a l'argent ici, moi. Je te dis, si tu es garçon, rentre. Si tu es garçon, rentre. Parce que je sais que l'éternel Dieu veille sur ma maison. Amen. Amen. Il me protège. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un jeu. En Jésus, il y a tout. Je lui ai dit, vous n'avez pas dit vous attaquer. Vous n'avez pas dit, je le préfet. Venez chez moi. Vous allez comprendre que mon Dieu là-bas vous convertit. Vivez une expérience, vous allez voir. Moi, je suis en train de venir sur l'autoroute. La vidéo est sur le YouTube. Accident était sur l'autoroute. Accident. Les gens sont sortis. Les véhicules sont arrêtés en poste. Tout le monde attendait de prendre le corps. J'ai dit à mon chauffeur, il était au volant, il paniquait. Ça tournait 4 fois. Bon, j'étais dans un ravin. Je suis sorti. J'étais le premier. Les gens sont étonnés. J'ai commencé à évangéliser. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas de cadavre? Il n'y a pas de cadavre. Viens ton. Toute âme forgée contre toi sera simple. Tel est ton véritable. Allons-y, Isaïe 54, verset 17. J'ai pris 9 jours, chaque jour, je vais faire ma vie. J'ai dit cette parole. Vous savez que la parole de Dieu est une semence. Amen. Et le semeur sément la parole. Quelle est la parole qui a été semée dans ta vie? Moi, Isaïe 54, a été semée dans ma vie. Alors, quand tu as brandi l'arbre sur moi, ça ne va pas résonner. Comme un dozo sorcier. Toi, tu mets, ça ne résonne pas, ça fait peau. Entre le diable et Dieu qui copie son camarade, c'est Satan qui copie. Amen. Or, il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter. Mais c'est la parole de Dieu. Vous ne savez pas que Dieu, là, il y a l'onction d'invisibilité dans les dieux. Hein? Le jour où Philippe, le diable Philippe, a baptisé l'unique Éthiopie, on dit qu'il a disparu, se retrouve dans une autre vie. Amen. Ah? Tout ce que Satan fait là, il copie ce Dieu. Il dit pas amen. Amen. Ça vous est pris, hein? Non, ça là, maintenant, laissez sorcier. Ou en position des. Moi, je ne suis pas au stade de la position des mains. Je suis au stade de la dimension de la puissance de Dieu. Allons-y. Esaïe 54, 17, écoutez très bien. Toute âme forgée contre toi. Oui, toute âme forgée contre toi. Sera sans effet. Sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, je la condamnerai. Amen.
sans effet. Allons-y. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est ton héritage. Amen. Amen. Pour toi, c'est pour toi ça. Tout a forgé contre toi sera sans effet. Si tu veux, va voir un marabout. Si tu veux, j'ai dit aux gens, on va commencer le combat. Mais j'ai gagné. Tu vas m'attaquer, mais j'ai gagné le combat. Amen. Parce que c'est une promesse de Dieu sur ma vie. Amen. Amen. Toute âme. Qu'est-ce qui a été fait sur toi? Qui? Quelle est la parole? Quelle est la sémence? Parce que, allons-y dans Marc 4, le verset 14. Vous allez comprendre. Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Et la sémence la met où? Dans la terre, dans le sol. Or, l'homme était. Dieu a pris la terre pour fabriquer l'homme. Donc tu agis. Alors la parole de Dieu est une sémence. Quelle est la sémence qu'on a sémée en toi? Quelle est la sémence? Parce que ce que tu sèmes là, tu gères et tu produis le fruit. Amen. Alors tu sauras que c'est du maïs. C'est pour ça que dans la consécration, quelle est la chose prononcée chez toi? C'est grain de maïs. C'est le maïs qui va produire. C'est l'arachide, c'est l'arachide. Moi j'ai semé Isaïe 54, verset 17. Quelle est la sémence que tu sèmes dans ta vie? Amen. Alléluia. Amen. C'est l'importance de la consécration. Amen. Alléluia. Amen. Rien. C'est pour ça que les présentins qui viennent attaquer, je les regarde comme des coups. Je dis, vous fatiguez. Vous êtes, vous n'avez pas gagné. Jérémie, le chapitre 1, verset 19. Il faut qu'on sème les choses en vous. Chapitre 1, verset 19. Écoutez très bien la parole de Dieu. Allons-y. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Amen. Amen. Allons-y. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Je te délivrerai, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ça va commencer. C'est la guerre. Boum, boum. Chacun frappe. Mais tu ne pourras jamais me vaincre parce que c'est la parole de Dieu. Dieu est obligé de réaliser ses promesses dans ma vie. Amen. On dit Amen. Amen. Que vous soyez consacrés. Quelle est la parole dite sur ta vie pendant la consécration? Amen. Amen. Quelle est la parole? Vous savez, Satan s'en fout. Le diable s'en fout parce qu'il n'y a pas une sémence en toi. Il n'y a pas quelque chose qui fait qu'il effraie. Rien n'est intéressé toi. Quand on partait quelque part, on dit ah, chien méchant, vous n'avez pas peur. La porte annonce que ce qui est déjà là. Il y a un chien là-bas, il faut t'amuser. Ou bien, chien méchant, dis-moi, tu commences déjà à faire ma chère. On t'a dit attention, c'est qui tu gèges là, c'est qui tu as trouvé ça déjà là-bas. Amen. C'est comme ça la consécration. Quand l'huile verse sur toi, c'est fini. Mais avant que l'huile verse, qu'est-ce qui a été dit pour sceller ça? Là, il va à l'église, le sorcier va te manger. Lui-même est à l'église là. Le sorcier n'est pas venu à l'église. C'est pas l'église, il est venu comme toi. Seigneur, bon, Seigneur, c'est qu'elle a commencé de tomber. Ah, il est sorti, lui, il est sorti. Amen. Amen. Moi, je connais des pasteurs sorciers. J'ai fait des livres. Mais on est sorciers, quand on n'est pas délivré, on est pasteur, tu demandes, je t'ai fidèle. Le moyen pour tout ça, c'est grec. Et souvent, elle est choco. Moi, elle est choco, moi, je suis l'habitude. Au moins, ça, le kosuko. Ça va vite. Ça dit pas où. C'est 5 minutes pour finir le plat. Je connais musulmans, mais imam, sorcier. Ça, c'est mon YouTube. Là, Là, il est bon. Il pèse combien de kilos, 6 kilos. Là. Quand tu touches comme ça, le soir, tu es dans sa mari. Sauf sa rachée, elle d'abou. Au moins, elle tourne. Mais tu ne l'effraies pas. Il voit, il dit ça, c'est Pentade. Là. L'ami de ma échelle est Pentade aujourd'hui. Là-bas, il voit ses dindons. Là. Il voit les yeux, c'est cabri. Lui, là, c'est cabri.
Pour que Dieu nous délivre. Amen. Pour que Dieu nous protège. Amen. Pour que nous soyons en sécurité. Amen. 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 Aujourd'hui, le système est mis en place partout. Vous allez voir, toutes les maisons sont en sécurité, sécurisées. Il y a des gens, tu es à 5 km de la maison, ils te voient derrière la caméra. Hein? Tu m'es étonné. Quand tu touches la porte, on t'a déjà vu. C'est comme ça que notre vie doit sécuriser. C'est la consécration qui sécurise ta vie. C'est pour ça que dans cette France, il est dépêché de l'huile sur la France. Pour que déjà quelque chose soit fait dans la vie des gens. Amen. Qu'est-ce qui a été fait sur toi pour effrayer le diable? Rien. Il joue avec toi. Le vieux vient coucher avec toi. C'est une belle femme, un vieux, et qui vient qui abuse de toi. Tu es étonné. Il fait violation, il vient te viole. Il y a un mec qui vient frapper ton mari. Il dit dors. Le monsieur rend prrr. Et puis il viole ta femme. Il y a un monsieur qui dit toi, regarde, ton âge. Elle, la petite fille, t'a fait des violer. Tu ne vas pas avoir mon élève. Que Dieu nous aide. Donnez-nous de vous en prier le Seigneur. Il faudrait que notre vie soit sécurisée. Yeah. Il faut que Dieu te protège. Il faut que tes ennemis soient confondus. Alors David dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Oui. Voyez celui qui t'attaque, rencontre Dieu sur son chemin. Amen. C'est converti. Moi j'aime qu'on m'attaque. Les gens ont peur d'attaque. Ouh, j'ai été attaqué la nuit là. Ils sont fâchés, ils ont attaqué. Moi j'ai vu, il faut m'attaquer. J'ai dit aux gens, attaquez-moi. Le jour où vous allez m'attaquer, vous allez être converti. Vas-y, je sais que je vais à n'importe qui. Amen. C'est quand tu ne connais pas ton droit spirituel, tu as peur. Amen. Moi, je vois trop de mystères avec Jésus. J'étais sur la 2, les journalistes m'ont pris. Ils étaient tous dans un coin et tous étaient me poser la question. C'était qui parle des sorciers. C'était tellement qu'on parle des sorciers, ça effraie tout le monde. J'aurais dit, si vous voulez, là, hein, faites une expérience. Ben, notre domaine, ce n'est pas parole. Invitez-moi un sorcier sur un plateau de télé. Et puis on se regarde, chacun a son pouvoir. Là, quand on va parler, on va voir qui est qui. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas venu pour trop parler. Je ne suis pas un homme de parole où on parle, je suis un homme de terrain. Le jour un sorcier vous l'envoie sur un plateau de télé. Ils m'ont dit non, tu sais, on a pris 6 mois en temps de regarder toutes tes vidéos. C'est qu'on a pris le temps d'enquêter sur ta vie. On a pris le temps de regarder beaucoup de choses. On a cru à ton ministère. Alléluia. Ça vient du ministère de l'intérieur. On doit te faire connaître ton ministère. C'est pour ça que le mercredi, j'ai fait 2 heures du temps sur le tableau, le plateau de la télévision ivoirienne. Alléluia. En train de parler de mon ministère. 2 heures d'émission, 2 heures. Et la télévision a décidé que l'année prochaine, chaque 2 semaines, que je sois l'invité de la télé. On a voulu commencer avec des vidéos, les gens s'en font peur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Commence à prier. Réclame la grâce de Dieu. Commence à prier. Demande au Seigneur de te délivrer, de te libérer. Prions ensemble le Seigneur. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Parle à Dieu. Toi qui es vivant et puissant, notre Dieu, nous voulons te prier, je vais Shabbat, je vais citer nous, notre Dieu, notre roi. Merci, toi qui es vivant, nous prions, notre Dieu, notre Merci, notre Dieu, notre roi. Merci Jésus, pour ta baillon de chayon de Christ. Jesus, my Lord, homme de Christ, my Jesus, baillon de Christ, my Jesus, homme de Christ, my Jesus. Mettez la main sur la tête. Fermez les yeux. Je commande aux esprits. Il y avait maître, qui était maître et qui avait le pouvoir sur ta vie. Je commande à ces démons
Je commande à ces esprits de lâcher ta vie. J'ordonne que ces démons lâchent ta vie. Je commande à ce mauvais esprit, l'esprit de la sorcellerie, et je commande même à la maladie de lâcher ta vie. Que le diable lâche ta vie. Maintenant même, je commande aux forces des ténèbres de lâcher ta vie. Lâchez sa vie au nom de Jésus. La main de Dieu vous touche. La puissance de Dieu vous touche là-bas. Au nom de Jésus. Lâche! Libérez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez-la. Fermez cette vie. Quel est ton nom? Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Quel est ton nom? Si, donne-moi ton nom. Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Qu'est-ce que tu as détruit dans cette vie? Qu'est-ce que tu as détruit? Dis-moi. 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 Dis-moi, qu'est-ce que tu as détruit? Dis-moi, qu'est-ce que tu as détruit? Si, qu'est-ce que tu as détruit? Qu'est-ce que tu as détruit? Si, tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Si, tu vas parler. Si, si. Si, tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Si. C'est un ordre. Oui. Si. Si, qu'est-ce que tu as détruit dans ta vie? C'est un ordre. Jésus a décidé de libérer cette soeur. Jésus a décidé de libérer cette soeur. Si, tu n'as plus ton mot à dire. Jésus t'a vaincu à la croix. Tu dois la libérer. C'est un ordre. Si, elle ne t'appartient plus. Non. Elle ne t'appartient plus. Elle ne t'appartient plus. Tu m'attends? Lâche-la. Lâche-la. Non. Maintenant, le feu est sur toi. Non. Le feu est sur toi. Non. Feu. 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 Feu.
Fais. Asseyez-vous, les autres, asseyez-vous. Fais-toi. Lâche-la. Tu m'attends? Le feu sur toi. Le feu sur toi. Lâche-la. Qui est-il, toi? Donne-moi ton nom. Si, donne-moi ton nom. Qui es-tu? Donne-moi ton nom. Qu'est-ce que tu as détruit dans cette vie? Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as détruit? Dis-moi ce que tu as détruit dans sa vie. Tu vas parler, lâcher sa vie. Si, tu vas la lâcher. C'est un ordre. Qu'est-ce que tu as détruit dans cette vie? Venez. Vous êtes venu à qui? Je suis venu à qui? En quoi? Je suis venu à qui? Lâche-la.